Yo, la famille, c'est comment? Ah, allez là, c'est tiens, c'est tiens, ici, tiens. Tiens! Qui tu verras? Qui tu verras? Respect. Tiens! Clébaï, respect. Voilà. Moi, il y a un truc que je n'aime pas dans ce qui est en train de se passer là. Voilà. La seule personne qui a transformé ce combat personnel de Didier Raphaël de Bordeaux, de Klebaï, de Kedivaral, c'est pas deux personnes, c'est Serge Benoît. Et ça me plaît pas. Donc, si tu comprends bien, le fait qu'on dise que ce soit toi le vrai sorcier du coupé décalé, ça te plaît. Quand on fait des vidéos pour te dire d'enlever ta bouche dans les mouvements des autres, ça te plaît pas. Tu veux nous montrer vraiment que tu es un sorcier. Ça a transformé ce truc en clash. Hein. C'était pas un clash à la base. C'était un problème entre Moula et ces quatre autres artistes là. Tu as vu? Ils sont en train de dévoiler ta vie personnelle publiquement comme ça. Ça fait au moins 10 ans, on dit que tu es pédé. Ça fait au moins 10 ans. Beaucoup de monde dit que tu es pédé. Nous, on t'a défendu. Parce qu'on croyait que ton succès là, c'était un mouvement Dieu a donné. Mais apparemment, les fans, tes collègues maintenant même, les plus crédibles du coup décalé, disent qu'on pousse ton talent. Ton talent, ils l'ont poussé. Dans le langage du showbiz, beaucoup m'ont compris. Ah, c'est Jimeno. Donc tu es PD. Moi, il me pose la question. Hein. Donc vraiment, tu es PD. Moi, je comprends pas. Un mouvement qui te concerne pas. Je t'ai dit, les histoires de vouloir micher les gens, c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Quels sont les mouvements? Enlève ta bouche là-dedans. Faut enlever ça là-dedans. Même que tu verras qu'il ne parlait pas, il t'a clashé correctement comme il se doit. Ce que même d'autres n'osent pas dire là. Lui, il a tout détaillé. Et puis, il en a encore. Ah! Parce que logiquement, hein, avec toutes les infos qui sortent sur toi ces derniers temps, ta carrière peut prendre un grand coup. Parce que pour toi, on dirait qu'il n'y a pas Dieu dedans. Sérieusement, on dirait qu'il n'y a pas Dieu dedans. Parce que s'il y avait Dieu dedans, là, avec tout ce qu'on dit de toi, là, ça allait faire boum. Kedivaral a dit quoi de mal? Que c'est un hypocrite. Moi, ce qui me plaît pas chez toi, c'est comme si genre, tu es trop arrivé. C'est ça qui me fatigue dans ton histoire, en fait. Oh, tu n'es même pas encore arrivé. Et là, les Nigériens, là, vous êtes des artistes, donc on va vous comparer. Faut pas venir dire, nous dire, non, là-bas, la population est solidaire, la population est nombreuse, là-bas, ils soutiennent eux. Le Magic System, c'est un groupe ivoirien. Tikenja, c'est un chanteur ivoirien. Alpha Blondy, c'est un chanteur ivoirien. Mais oui, chose oh, truc, Aïcha Koné et bien d'autres, j'en passe encore. C'est des chansons ivoiriennes qui sont millionnaires, de chez millionnaires. On n'a pas entendu qu'ils ont été pédés. Et pour toi, là, on revient seulement dessus. Et là, on était tais et j'ai eu ta carrière, tu viens te jouer les micheux. Franchement, ils t'ont loupé. Ils t'ont loupé même. Moi, je ne peux pas me permettre de t'insulter. Je ne peux pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu es un vrai sorcier. Un vrai sorcier. Parce que ce truc-là, ce n'était même pas un clash. C'était une revendication de quatre artistes qui ont dénoncé cet effet de ce soi-disant primude ou de ex-award coupé décalé là. Toi, ton problème est où? Tu sors d'où? Tu viens faire quoi? Donc toi, si tu comprends bien, tu es comme... Tu vois les souris longue bouche là, qui viennent, qui te mordent et puis qui soufflent en même temps. C'est comme ça que tu es. Faut arrêter ça, Beno. Sinon, moi, je te promets, si tu continues dans ça là, tes 10 ans de carrière, ce sera un gros flop. Faut avoir tous les sponsors que tu veux. Va avoir tous les sponsors que tu veux. Donc tu es pédé.
Donc tu es PD? Point d'interrogation. C'est toi et les autres artistes qui savent. Ah, quand même. Toi, c'est quel artiste? On t'insulte matin, midi, soir, ça te fait pas mal. Et on expose tes choses, ta famille, matin, midi, soir, ça te fait mal. Au lieu de fermer ça et rester dans ton coin, là, ça te plaît pas. Donc, chose, oh, chef fanatique, je vous dis, n'en voulez même pas que Dieu va là, n'en voulez même pas que les bails. N'en voulez pas, chose, oh, à Didier Arafat, mais de Bordeaux. C'est Serge Benoît qui a transformé ce mouvement en clash. Sinon, c'était même pas un clash. Il n'y avait pas toutes ces révélations là-dedans. Tiens! Mais tu me déçois quoi? Tu me déçois? De toute façon, le mouvement, on s'est battu, 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 battu pour créer un mouvement de réconciliation où chaque monde commence à demander pardon de droite à gauche. Toi, tu viens en jugeant, toi, tu es trop arrivé. Tu es arrivé. Oh. La carrière d'un artiste. Tiens! Honnêtement, nous on dit ça il y a longtemps. Côté talent, là, mon Dieu. Il faut rien, hein? Il faut rien même. Parce que moi-même, moi, tu ne peux pas chanter. C'est juste que je ne veux pas qu'on pousse mon talent. Sinon, non, ça ne chauffe pas. Un an, ton niveau, là, moi, est dépassé. Si moi, on veut pousser mon talent, un an, ton niveau, là, est dépassé. Je n'aurais pas besoin de 10 ans. Quand j'arrive à la vendue pour aller te chercher, là-bas, là, y a pas maman, là-bas, là, y a pas papa. Quand tu te réveilles, c'est son dit un chanteur en fait. Tu chantes pour moi, c'est mix ça. C'est les débordos là. T'as pas de talent, tout le monde sait. Donc faut te calmer. Première vidéo d'abord. Maintenant, si tu veux nous obliger à s'asseoir sur toi, en fait, ça peut être dit que tu n'es pas un monsieur. C'est décevant d'entendre dire que tu es un PD. On remet en question tous ces prix que tu nous as montrés dans ta vidéo là. C'est toi et Dieu et ta conscience qui savaient. Moi j'en ai fini. Prochaine vidéo, demain.